C'est parti. On dit bonjour à la VOD. Salut Bonjour, la VOD. bonjour YouTube. Voilà, donc on découvre Biotech. Donc c'est Yves qui a décidé qu'on allait jouer avec des vampires, puisqu'il y avait égalité entre la tribu et les vampires. Donc je me retrouve avec deux personnages. Donc lorsqu'un sombre inconnu vous a proposé un remède contre votre cancer, vous étiez prêt à accepter n'importe quoi. Il a fait de vous un sangophage, un buveur de sang immortel. Détesté par un millier de religions. Vous avez caché votre nature pendant des années, mais finalement un chasseur vous a retrouvé. En vous glissant sur le premier vaisseau spatial quittant le système, vous êtes échappé de justesse. Puis vint le crash. Seuls quelques-uns ont atteint des capsules de sauvetage. Vous atterrissez sur un monde inconnu et découvrez que vous n'êtes pas seul. Que ferez-vous pour le sang dont vous avez besoin pour survivre? Voilà, c'est parti. Hop, c'est l'atterrissage de nos deux personnage. Voilà, donc nous avons Pan. Alors, qui c'est qui est arrivé en premier? C'était Canton. Est-ce que Canton t'a envie d'être un beau vampire badass? Ténébreux Ténébreux et tout. et un petit peu émo sur les bords. Hop. Allez, ça sera Canton. Alors. Accepter qu'est-ce qui et qui va être la réserve de sang. Qui veut être la seringue? Le C'était qui? deuxième arrivé. C'était qui? C'était Zikino, je C'était crois. Katox, hein, je crois. Hein. C'était Katox. Tu Katox. veux être une seringue, Katox? Katoxinette. Ah, alors, tu peux pas pardon. changer son prénom, hein, Non. elle, du coup, juste son surnom. Katox. Et voilà. Herpétologue. Katox, c'est un herpétologue. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça promet. Donc, nous découvrons cette map. Donc, nous avons une route. Puisque c'est le. C'est ce que nous avons choisi après le dernier niveau. Il y a un mode Star Wars, forcément. Voilà, donc nous avons une route qui traverse cette carte de part en part. Il veut dire que les adversaires, je crois, il me semble que j'avais lu que, vu ou entendu, je sais plus, que les adversaires allaient principalement arriver par les routes. Et nous avons une grande rivière ici, et puis nous avons plein de. C'est quoi? C'est des lacs, tout ça, c'est des marais. Marais, de l'eau peu profonde, ça va être. Ah non, c'est. Ouais, donc on a des zones qui sont totalement inconstructibles. On peut se déplacer lentement, mais sûrement. Là, t'as atterri dans la flotte, c'est ça que tu dis Et là. j'ai atterri juste au bord de la flotte, ce qui est un peu chiant, mais du coup, les trucs qui vont vite se dégrader. Il va falloir que je me trouve une zone un peu correcte. Alors, je peux cultiver par ici, c'est cool. Ici, là, il y a une zone intéressante avec pas mal de trucs déjà construits. Mais un peu loin des zones cultivables avantageuses. Tu t'es gouré de vocation, je crois, Katox, effectivement. L'herpétologie qui est la spécialisation de l'étude des animaux à sang froid pour un vampire. Enfin, pour une seringue de vampire, plus précisément. En même temps, le vampire a-t-il un sang chaud ou un sang froid? C'est une bonne question. C'est vrai que la question peut se poser. Donc, allez, on va quand même essayer de s'installer par là. On est proche des roches. Je vais baisser un peu le volume du jeu. Il me semble être un peu fort. La musique est jolie, mais. Hop, voilà. Donc, il va falloir définir une première zone que l'on va habiter. Donc, on va réclamer, revendiquer cette zone-là. On va. Installer, donc il va falloir accepter tout ça. Oui, vous devez désigner des animaux chassables. Non, je ne veux pas désigner des animaux chassables, je veux faire du transport urgent. Sauf ça, que je n'ai pas besoin de transporter urgemment. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a du métal, on n'a pas beaucoup de bois, on a quelques provisions qui sont sur une bannière, et donc on a du sang. Des hémogènes. Voilà, qui se détériorent très vite parce que c'est sur des marais. J'ai une épée longue en métal avec mes deux non-violents, ça va être cool.
Je vais quand même l'équiper plutôt avec mon empire. Le vampire peut coaguler, ce qui permet d'empêcher quelqu'un de perdre du sang, ce qui est cool. Implanter des gènes dans un sujet consentant en utilisant un organe d'injection spécial. Ah oui, d'accord, on peut transférer en gros le. On peut transférer les gènes sur quelqu'un d'autre. Et je peux donc forcément me morder la cible et extraire l'hémogène directement de son sang. La cible perdra du sang et sera horrifiée par l'interaction, mais restera indemne. Coagulant action rapide scellera la plaie pour éviter les saignements. D'accord, ne peut cibler que les humains non hémogéniques. Ok, donc il va falloir que de toute façon j'arrive à capturer des gens. Mais ça sera peut-être pas pour tout de suite. Donc il va me falloir quelques structures. Donc combien j'ai de bois? Alors il faut que je désigne une zone de stockage qui sera à l'intérieur et une zone de décharge qui sera à l'extérieur. Vous allez me transporter tout ça. Allez, c'est parti. Voilà. Des colons ont besoin de lits, forcément. Hémogène. Tu tes insultes. Tac. Ça peut t'as être... des arbres, t'as des serres, tout ouais. Va bien quoi. T'es obligé de boire du sang humain. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait. Ne peut cibler que les humains non hémogéniques. Voilà, donc. Alors, on a commencé à rapporter 2-3 trucs. Donc, je vais essayer de fermer ma zone déjà. Structure. On va commencer par fermer avec du bois. Tac. On dirait bien un caveau. Hein. Et c'est les deux grosses tombes là. Tac, 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 tac. Hop, tu vas me fermer là. Tu vas me... Tac, tac, tac. Bon, au début, c'est toujours très très moche. Après, on essaie de faire en sorte d'avoir des bases qui soient plus jolies. Il va me falloir une porte par là. Combien j'ai de bois? Est-ce que j'en aurai assez là? Je ne suis pas sûr. Peut-être me faire une porte en métal plutôt. Je vais voir. Attends un peu. De toute façon, non, ça tu vas me le démolir. Tu vas certainement pas le réparer, Coco. Démolir. Ça, tu vas. Ah, sauf que, attends, je vais peut-être manquer de toit là. Je vais regarder mes colonnes parce que sinon mon toit risque de s'effondrer. Voilà, ça construit. Est-ce qu'ils m'ont tout rapporté? Oui, ils m'ont tout rapporté. Ça craint rien. Alors, combien est-ce que j'ai de bois du coup? Encore 85. J'ai peut-être 9. Non, je vais pas avoir assez de bois, donc je vais me faire une porte en métal par là. Et merci Canton, 50 bits, c'est vraiment très gentil pour qu'on trinque. Et bah écoute, j'espère que t'as de quoi trinquer, Gal. J'ai de quoi trinquer, à la vôtre. Merci beaucoup, très gentil. Hop, alors. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il me fasse les toits, à mon avis, j'ai pas assez de. Nouveaux amoureux, bah voilà, ça y est, ça commence. Katox et Canton. Ça promet. Je sens que je vais devoir me faire une autre. Pourquoi est-ce qu'il ne me construit pas les toits? Étendre la zone. Est-ce qu'il me manque? Est-ce que j'ai des trouilles? J'ai pas de trouilles. Tac tac tac. Non. Hop. Ne peut pas construire au-dessus d'un peuplier. Bah oui, forcément. Et ben. Il faut couper les arbres. Il faudrait couper les arbres. Coco. Allez. Voilà, bah si, construit. Alors, j'ai pas encore réglé ça. Tac. Bim. Et voilà. C'est quoi? Ah non, une partie de vaisseau spatial. Ça peut attendre. Est-ce que ça va s'abîmer? Non, ça va pas s'abîmer. Alors, il faut toujours gérer ça rapidement. Donc j'ai 2 super médecins, donc ça c'est pas un souci. Repos, tac, ça je vais le mettre en 2 parce qu'ils sont quand même pas nombreux. Garde d'enfants, c'est pas pour tout de suite. Manutention, mec. Achevé, ce sera toi. Geôlier, ce sera
Les deux, de toute façon. Dresseur, pour l'instant, les animaux, c'est pas d'actualité. La bouffe, ce sera pour Katox. La construction, ce sera pour Canton. Fermier, tout ça, c'est Canton. La forge, toc, toc. Bon, je passe un peu tout en deux. Chercheur, dès que j'aurai une zone de recherche. Ouais, à mon avis, il va falloir que je mette une autre colonne par là. Ma colonne, tu vas me la faire en granit. Du coup. Mobilier. Non, c'est structure. Colonne en granit. Parce que là, sinon, ça va pas le faire. Même par là, j'ai l'impression qu'il peut pas construire. Bon, on va faire deux colonnes. Tac. Source de joie nécessaire. Soyons joyeux. Loisir, un petit piqué à cheval. Hop, faire à cheval, c'est toujours bon. Non, c'est là que je vais le faire. Tac. Prison. Oui, il faut toujours une prison en prévision des premières aides. Qu'est-ce qu'elle me fait, Katox? Besoin de lui. Un petit crash qui a été sans filet pendant quelques minutes. Comment? J'ai été sans filet pendant quelques minutes, pour laisser accrocher. Bah tu vois. Salut Marc Mail. Salut Marc Mail. Bienvenue sur le live. Pourquoi tu me fais du toit ici, toi? Mais, je t'ai jamais dit. Tu lui as demandé de faire un toit là? Mais pas là. Je suis parti. Ah si. Stop. Stop, t'emmerdes pas. T'emmerdes pas. Te fatigue pas pour des trucs qui servent à rien. Il faut que je fasse des mobilier, des lieux de couchage. Et il faudra que je fasse tôt ou tard. Alors ce sera où? Ce sera dans la bibliothèque. Un cercueil médicalé. Médicalé. Ça c'est une belle traduction. Ah j'ai. J'ai repéré hier des trucs absolument énormes sur la traduction. Et puis j'ai bien placé ma zone de stockage. Bien, juste sous la flotte. Ok. Qu'est-ce que... Non, coupe-moi pas le pain. Fais-moi ça. Voilà, Katox fait dodo. Donc, comme c'est un vampire, il va se faire... Une nuit sans dodo, si, il dort ou il dort pas? Est-ce qu'il a besoin de sommeil? Les vampires ont-ils besoin de sommeil? Sommeil. Ouais, mais ça, oui, c'est ça qu'il il en... Les besoins en sommeil arrivent très lentement, en fait. Hop. Alors... Ah oui, c'est un cercueil médicalé, j'avoue. C'est ça, ouais, c'est beau le cercueil médicalé. C'est ce que dit Canton, c'est même pas un cercueil, c'est un cerceuil. C'est un cerceuil? Non. Ah bah oui. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ouais. Des fois sur la traduction, ils sont pas ouf. Construire une zone. Ouais, je crois que c'est communautaire la traduction. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ils doivent faire comme ils peuvent. C'est assez moche. Je trouve. Mais bon. Enfin bon. On sait ce que c'est, le cinéma. La traduction, ouais. Amateur, c'est le pied. Ouais, d'accord. C'est qu'il récupère très très rapidement en fait. Je pense bien plus rapidement. Bon, nous avons les bases. Alors effectivement, comme disait Canton, il me faut prévoir une prison. Peut-être un peu de lumière également. J'ai pas encore de production électrique, demain tôt ou tard. Et moi quelques torches. Tac. Ah bah écoute, Canton parfait, c'est déjà report, c'est bien. Encore mieux. Même pas besoin de s'embêter. Est-ce que t'as des malus dans la journée? Non, je crois pas. Je ne crois pas, mais j'y mettrai pas non plus. Non, ah si, légère sensibilité aux UV. Les porteurs de ce gène ont des. Exceptionnellement sensibles à la lumière du soleil. Vitesse de déplacement qui est limitée.
Ouais. Et baisse d'humeur. Ça va quoi, Ça tu va. crames pas non plus. Non, c'est ça. Et une partie, mais je m'en fous. Alors, c'est parti pour. Hop. Alors, je peux sauter, long saut. Sauter. Ah oui, mais ça me bouffe de l'hémogène. D'accord. Et ça, épine perçante. Pour lancer une épine osseuse sur la cible, l'épine sort à travers la peau par une ouverture entre les clavicules. Compte tenu de la méthode de lancement, il est étonnamment facile de viser. Ouais, c'est en mode. En mode. Spider-Man, mais tu jettes des os, quoi. Ouais, Par c'est contre, tu ça. dirais que ça te consomme de l'hémogène. Oui, bah oui. Et ça aussi, ça coûte de l'hémogène. D'accord. Donc, tous les pouvoirs, en fait, sauf ça, forcément. Hop. Belle Du épée. coup. Ah, ouais, j'ai même pas. J'ai même pas d'arme à distance pour elle. Oh là, c'est trop naze. Bon, toi, tu vas te planquer à l'intérieur. Laisse faire. Tac. Bim. Ouh. Ça, c'est beau. Ce coup d'épée. Impressionnant. Du coup, alors, un groupe de voyageurs. Est-ce que j'irai pas. Ils sont quoi? Ils sont quatre. C'est quoi? Non, c'est les seuls avec lesquels je m'entends un peu bien comme faction. Non, ils ne sont que neutres pour l'instant. Bon, on va éviter de s'attaquer tout de suite à nos voisins. Qui ont quand même des revolvers et tout, pas non plus. Ouais. Bon après, il est peut-être capable de one shot n'importe quoi. Hein. Peut-être. On verra. On verra bien. Alors, nous parlions donc d'une prison. Structure. Là, j'ai plein de bois. L'avantage, c'est que comme j'ai dû couper du bois. Hop. On va faire. Même faire deux prisons. Tac. Deux. Trois. Quatre. Non, attends, il me faut une porte. Stop. Il me faut une porte en bois. Trois. Quatre. Tac. Un, deux. Ah merde, j'ai mal placé ma porte. Bon, tant pis, il y en aura une plus grande que l'autre. Hop. Mais non, couillon. Ah oui, et donc les vampires mangent également des rations. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse production un établi de boucher, puisque j'ai désormais Hey. un tac T'as une louve à écorcher. une louve à écorcher, une cuisinière à bois pour l'instant. Ah oui, la porte devant le pilier rossignol, j'avoue. Pas mal. La C'est porte bien de. joué. Comment ça, la porte devant le pilier? Ah là, oui, pardon. Oh. Bah du coup, il démonte le pilier, rien à foutre. Oui, tu me diras, maintenant j'en ai plus besoin, ceci dit. Puisque j'ai remis. Alors, tâche, dépecer créature, X fois, hop, sur tout ce qui est pas trop loin. Tac. Et on trinque au signe de nouveau pour Vigno. Encore? Parti. À la Aiglégou. vôtre. Hop. Trinquons. On a des soifards ce soir. Alors, ici, il va nous falloir nous préparer des plats simples. Hop. On va faire en sorte de en avoir 6. Hop, c'est mes dosages de base. En boucle et déposé au sol, ouais, effectivement. En général, non, je le fais pas. Pour l'instant, la zone de stockage IM, c'est vrai que je pourrais faire déposer au sol. Je le fais pas en Pourquoi les général. jauges bleues qui montent derrière leur portrait? Alors ça, c'est l'humeur. C'est un mode qui permet de le voir un peu mieux. Ça correspond à l'humeur qui est ici. Donc qui dépend. Là, les attentes sont très faibles parce que j'ai une richesse qui est très faible. Voilà, et Oui, c'est puis pas mieux, tout c'est. dépend. Et plus c'est haut, mieux c'est. Quand on arrive sur le premier trait qu'on a là, il y a des risques de crise dépressive en quelque sorte. Alors ça peut être soit il devient super violent, soit il fait la tronche à tout le monde et il se balade
erre tristement comme des... Ouais, il y a différents... Je vois. Ok, merci. Différents types de... Ah non, je l'ai fait en... Plante à chaque fois. Prépusté jusqu'à en avoir 6. Un mécaneton qui refait trinquer. Mais dis donc. Que de limité par live, ce truc. Ok. Retrinque Gaelden. Retrinquons. À la vôtre. Je trinque pas beaucoup à chaque fois. Je parle pas assez. Ouais, Rimhud. Que je trouve tellement plus lisible que... Que les paramètres de base. Il faut que je te fasse construire toi aussi, quand même. Alors, il me faudrait... Production, si j'étais sur le bon. Il me faut... Ouais, je te dis que j'avais pas assez bu Zikinov, du coup j'avais mal au crâne vendredi matin. Poste de recherche, tac. Poste de recherche, qu'est-ce qu'il me faut d'autre dans les médias? Éventuellement quand même je pourrais peut-être me faire de l'énergie puisque j'en ai. Sauf que j'ai pas assez de métal. Ah, il va falloir éliminer les cocos. Bon, il mine à main nulle, hein, gagne ton fils. Jette des aiguilles en os dans les... Oh, les cailloux et bim. Je pourrais peut-être leur faire de vrais lits, mais pour ça il me faudrait plus de bois. Donc hop, va me couper du bois. La précolte maturité. Tac. Tac. On a dit avec tes os à distance, pas avec tes dents, hein, Kent. Allez. Et donc, oui, et donc cette barre-là, c'est comme les autres. Donc, c'est des systèmes qui ont été introduits sur les autres DLC qu'il n'y a pas sur le jeu de base. Cette barre-là, en fait, on peut l'ajuster en fonction de ce que l'on veut. Il ira boire de l'hémogène quand il voudra. Plus c'est haut, bah, plus vous devez en consommer régulièrement. Et en même temps, plus vous pouvez utiliser vos pouvoirs. Parce que voilà, si je fais coaguler, ça va en bouffer d'un coup, quoi. Donc, préparons-lui un cercueil. Pour ça, il me faudra de l'acier également. Qu'est-ce qu'il mine ? Non, mais c'est encore Canton. Ouais, c'est un peu le problème, c'est qu'il doit tout faire. Bah, Katox, c'est un petit faible qui s'intéresse aux grenouilles. Il est là pour servir de réserve, hein, pas pour, je vais le faire, pas pour faire le taf. Non, forestier, pas fermier. On va couper des arbres. Je vais avoir besoin... Ouais, il faut quand même que j'aille chasser un peu. Donc pour ça, il me faudra... Production, lieu d'assemblage, tac. Et je vais devoir me fabriquer un arc court. Wouhou, le tout doux. Recherche. Je peux rechercher... Alors, du coup, par quoi je vais commencer? Bon, en général, on commence par les batteries, hein. Quand même, fabriquer un arc court, c'est fait. Médiocre. Donc ça que les batteries, à l'époque, ça foutait tout le temps le feu. Oh non, quand même pas. Salut Damned, bienvenue sur le live. Coucou. Bienvenue. Tac. Mobilier du couchage. Oula. Il n'y a que moi qui entends le signe mal aussi mal. Ou c'est tout le monde? Vous m'entendez ou pas? Allô, allô? D'accord. Ok, la voix du signe déconne, ça me rassure. Enfin, je sais pas si ça me rassure, mais... alors, ici, en général, sur mon lieu de stockage, je mets visiteur, un ambulancier, ce nom est Bud Squint. Charles, il semble avoir des objets à échanger. La question, ouais, c'est encore là, ceux avec lesquels je risque de mieux m'entendre.
Ouais, en même temps, les autres, ils m'attaqueront à vue, donc. Je vais pas avoir grand-chose à lui proposer, moi. Donc, en général, je disais, tout ce qui est bloc, je les mets ici. Tout ce qui est acier. Tout ce qui est donc jade, uranium, je le laisse dehors. Avec les blocs. Et voilà. Donc ça, du coup, je ne le mets pas. Tac. Je ne veux pas l'acier, je ne veux pas le jade, le plastacier, l'uranium. Économisons de la Ouais, c'est place. mieux là pour ma voix. Ouais, c'est mieux. Il est retourné sur sa 2G. Ouais, c'est vrai que Non, j'étais. la fibre, c'est très surfait. J'avais oublié que j'utilisais le truc de la carte graphique sur le micro pour Discord et du coup j'étais Alors, en train qu'est-ce de faire de l'encodage de vidéo donc ça a pourri la Ah. carte graphique et ça a pourri le micro. Bon, il a pas grand-chose à me proposer. Ah, j'ai des sous par contre. Mais lui. Alors sinon je fais de la chasse à la grenade. Chasse à la grenade. Je sais pas si ça fonctionne. Là, on est bien là, hein, on est sur les vrais sujets là. Je sais pas trop si ça fonctionne, la chasse à la grenade. Donc il va falloir quand même que j'aille chasser un peu. Donc on a pas mal de monde. Je vais. Le buffalo, c'est une valeur sûre. À quoi se chasser soi-même? C'est ma faute. Je vais peut-être me faire un autre arc pour que. Canton, merci encore pour les bits, mais merci beaucoup, c'est vraiment super cool. 100 bits cette fois. Merci, en effet, c'est cool. Ah, il y a un arc. Le sarcophage avec le démolir. Je n'en ai pas besoin. Hop! Alors du coup j'ai récupéré un peu d'acier, en effet. J'en avais besoin pour me faire une éolienne. Les visiteurs s'en vont. Eh bien, à bientôt. Ou pas. Je vais me la faire. Le problème c'est que j'ai plein de. Ouais, je peux pas la faire là, en toute logique. Du coup je déplace. Non ça sans. Si parce que du coup je vais faire une zone de culture Que pour. c'est pas gênant qu'elle soit entre les montagnes, l'éolienne? Alors pas du tout. Il n'y a pas de notion de vent? Alors si, en fait, sur la zone là qui est blanche, il faut pas qu'il y ait d'arbres. Ou effectivement de bâtiments ou de. Donc, Ah, ok, d'accord. la meilleure solution, c'est que tu traces des zones agricoles. Parce que sur les zones agricoles, ça va jusqu'où? Encore un cran. Elles ont pas de hauteur, quoi. Sur les Tu zones peux pas agricoles, voilà, il n'y a pousser pas des de méga hauteur. trucs, Et quoi. puis, ils s'occupent tout seuls de virer tout ce qui est À tout arbre. ce qui pousse. D'ailleurs, il va quand même me falloir un peu de riz. Rapidement, ça donne quoi? Ouais, c'est du vert, c'est pas ouf. Mais on va faire ça là. Mes zones de culture, ouais, elles sont quand même vraiment trop éloignées, donc on se contentera de ces trucs pas géniaux, mais c'est pas grave. Normalement, il y aura une rediff, Dame Ned. Alors, je vais me faire un frigo. Le frigo sans lequel le joueur de RimWorld ne sait pas vivre. Le Il n'y a pas que frigo. le genre de RimWorld. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu vois ce que tu mets les bières si t'as pas de frigo? C'est pas faux. Hop, moi c'est un petit frigo. Ah mais non, mais il va trop vite. Il va beaucoup trop vite. Le frigo, on va mettre par là. J'avoue qu'il est efficace, hein, le vampire. Oh la vache.
J'ai pas l'habitude, moi, d'avoir des gens qui vont aussi vite. Ah, même là, en fait, j'en ai pas besoin. Ouais, Viande de loi, t'es pendant que Canton, il construit 4 murs avec ses deux mains, 4 ox, il balance des papiers partout. Katox, il a pris un bout de bois, il l'a posé, il a commencé à réfléchir oh là devant là. lui. Katox qui est passé. Mon dieu, Bon, une haze c'est enragée. fini. Une haze enragée, ça va mal se passer, je sens. Canton, mais non, mais non. Oh. T'as un arc cette fois, je sais pas si t'as fait des flèches, mais t'as un Oui, arc. mais là. Est-ce qu'il va être. Oh là là, mais quel. Oh. Alors, faut dire qu'il a une super épée. Hein. Épée longue en métal, chef-d'œuvre. Ça roxe du poney. Il a esquivé en plus quoi. Et ça. Bon après c'était un lapin, c'est pas non plus. Et écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. température. Allez, fais-moi un petit climatiseur. Tac. Ici, tu vas me mettre ma bouffe. Non, mais pas du boire. Il faudrait. C'est ça, c'est vraiment un truc qui manque, je trouve. C'est d'avoir des paramètres automatiques. Enfin, ça existe sur. Il y a certainement des modes qui le permettent. Mais des paramètres automatiques que tu puisses réutiliser sur toutes tes parties. Parce que en fait, tu fais tout Genre le tu fais temps. une zone de nourriture, pas une zone Voilà, qui c'est fait ça. tout et qu'après tu dois configurer quoi. Ah, il y a ça sur Dwarf Fortress. Peut-être. J'ai jamais joué donc. Nourriture pour bébé. Je sais pas si les packs d'hémogène ça craint de... ça pourrit ou pas. Peut-être. Non, ça craint pas le réfrigérateur. Donc les plats, la bouffe, mais sans priorité importante. Et s'il me faut aussi les cadavres d'animaux. Alors on n'a pas d'enfant d'Amned Non. finalement, il vit à. Comme il y avait égalité entre la tribu et les vampires. Il vit à décider, et c'est le vampire qui a gagné, du coup on a un vampire et une seringue. Ça, ceci dit, ils sont amoureux, je pourrais la faire un mi-double. Je suis en train de me dire. Katox qui joue la seringue est une cannibale non violente qui adore. J'avais oublié qu'elle était cannibale. Cannibale non violente. Et elle adore étudier les animaux à sang-froid. Du coup, elle est tombée amoureuse d'un de vampire. Canton direct. C'est le coup de foudre était instantané. Ils ont atterri sur leur planète suite à leur crash et hop, coup de foudre. C'est vrai, il faudrait un cercueil double. Je sais pas s'ils ont prévu ça. Ouais, t'as raison, ceci, il faut pas que j'oublie. On verra quand même comment est-ce que ce sera noté. Non, j'ai cercueil double. Non. T'as le repos de la mort là qui doit certainement quand c'est arrivé à zéro ça doit être. Il y a un truc qui s'appelle repos de la mort. Ah oui c'est ça, t'as raison. Voilà, Canton va se reposer pendant 23,3 jours pour éviter l'épuisement. Oh la vache. Ah ouais. Ah. Ils doivent se reposer au bout de quelques jours ou quadrum. Les quadrums c'est les années. Hein. Le repos de la mort signifie entrer dans un coma régénérant pendant plusieurs jours. Au cours desquels l'individu semble mort. Plusieurs structures spéciales peuvent se connecter à un personnage lors du repos de la mort et lui apporter des bonus au réveil. Rester éveillé trop longtemps sans prendre cette forme de repos entraînera l'épuisement du repos de la mort qui dégrade massivement les capacités physiques de la personne. Bon. Ouais, il y a l'air d'avoir un tout petit trait à la fin, là. J'imagine que si tu dépasses le trait, ça devient la merde. Ouais, j'imagine. Ou 6. Ça doit être ça. 23 jours. Alors, 23 jours de sommeil, Damned. Moi, déjà, 23 minutes, je suis content, tu vois. Non, tu vas pas me les démolir. Il est normal, ça ira très bien. Hop. C'est le truc de quality builder. Hop, allez. Allez me faire des bébés vampires. Ah. Et du coup, elle se lève pour changer de lit. C'est beau. Oui, puisque je l'ai réaffecté, en fait, chaque colombe ne peut avoir qu'un seul... Ah merde, qu'est-ce qu'il faut avec des composants ici? Ah bah, je lui ai dit, d'accord. Ok, les produits manufacturés, mais non.
Palais textile, je m'en fous. Médicaments, drogue, ouais, le cas échéant. Et tout ça, non, en fait, je désactive ça, médicaments, drogue, paf. Paf, le chien. Tac. Allez, continuer l'acier, c'est toujours bon. C'est bien. Les batteries, ensuite on va lui faire faire. On va lui faire faire quelques armes. Alors, ah là, je pense que il est temps. Il est temps. Le vin minier. Je comprends pas que quoi tu dis, Katax. Comment allons-nous appeler cette ce duo pour l'instant? C'est un. Est-ce que je vous propose de me suggérer un nom? Vein Ah non, miner. je l'ai pas, je ne connais pas ce mode-là. Tiens, j'irai voir. Vein miner, c'est de l'anglais, ok. Je sais pas, c'est. Comment est-ce qu'on l'appelle? Katox, on a des exigences quoi. La coalition Hitney West. La La coalition des seringue. seringues. Ok, la coalition des seringues. Ou la seringue. Non, la coalition des seringues, ça me plaît. La coalition des seringues. Les pacifiques cannibales. Comment allons-nous nommer ce. Donc ça c'est la faction. Hein. Des seringues avec un S majuscule, je pense qu'il le faut. Ah ouais, ça tient le minimum. Ouais. Et Salvation. Est-ce que c'est pas mal? Pas mal Salvation, pour c'est pas si mal, C'est pas ouais. si mal Mais pour un. C'est le salut. on pourra l'appeler aiguille numéro 1 sinon. Allez, les défis numéro un. Faut pas jouer le dimanche soir, c'est pas bon pour la santé. Du coup, j'ai mis quelque chose ou pas? Non, je voulais faire la forge. Le reste, ouais, histoire de pouvoir aller chercher quelques armes un peu correctes. Donc, je peux me faire une batterie. Hop. Des cochons se joignent à nous. Bah, ça, justement, je me demande. Ah, tiens, si. Ce serait peut-être malin si je mettais un peu de. Quelques câbles électriques. Tac. Genre histoire que t'as Là, histoire que mon tac t'as mon comment truc fonctionne là. ton truc fonctionne, ouais je me souviens plus du nom. La Bah, clim, mon la climatiseur. climatisation. Ça, on avait dit que j'en avais pas besoin en fait. Les pâtes d'hématogène, c'est pas nécessaire que ce soit réfrigéré. Hop. Alors, des cochons se joignent à nous. Où êtes-vous, les petits cochons? Est-ce que le sang de cochon est assez proche du sang humain? Je ne crois pas. Il va falloir aller chercher. Putain, ils sont loin. Il va falloir faire un enclos et tout. Où est-ce qu'on va pouvoir les mettre? Installons des cochons. Surtout en hiver, ça va être compliqué de les faire bouffer. Je sais pas si Et je bah les. devant l'éolienne là, il y a un champ qui sort. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit grand en fait. Parce que, quand même, de temps en temps, c'est pratique. Parce que, en fait, selon la taille du champ, ils vont avoir plus ou moins à bouffer. En fait. Donc, faut pas s'en Ouais, occuper. logique, ouais. Tant que le champ est grand, ils n'ont pas. Si c'est trop petit, il bouffe trop vite et ça pousse pas et C'est c'est la ça. merde. Donc, je vais faire allez, un truc comme Classique. ça. Hop. Et puis, je sais même pas si ça sera. Parce que le truc, c'est que. Ah, si, ça va. C'est quand même à peu près fertile comme zone. Ça devrait aller. Voir si ça, c'est suffisant. Avec un portail. On va mettre un petit portail ici. Et un autre portail par là. Tac. Et. Un marqueur d'enclos par là. Et ensuite, il faudra aller chercher nos cochons. Et on repasse en vitesse 3. C'est l'été, formidable.
Défense nécessaire, ouais. Faudrait. T'as besoin de défense quand t'as caneton. Bon, enfin, je rappelle que c'est quand même une quiche en combat. Le seul truc qui fait plus vite que tuer un lapin, c'est construire des barrières. Les barrières en même temps, c'est ça fait partie des trucs qui se construisent le plus facilement. Ok, bon. Deux persos, c'est chaud quand même, hein. C'est marrant, pourquoi est-ce que me fait d'abord la recherche? Pouce d'ambroisie. Ouais, bah écoute, la pouce d'ambroisie, c'est la fête, mais... tac. Hop. Pour si vous êtes peut-être, je sais pas si je l'ai expliqué sur le let's play, mais non, je t'ai dit, oh, putain. Bon, tant que t'es là, tiens, allez me chercher les cochons. Hop, Il tac, va tellement vite que il... c'est ça. tu construis un truc, il est instantanément là, quoi. Il est où? On verra. Ouh là, il est déjà parti. Tac. Allez, Et du coup, il va t'en prendre un sous chaque bras, là, et puis... Ouh, ça produit pas beaucoup. Ouais, là typiquement, j'ai fait un peu petit. Bon. Ah, c'est parti. Les gas chokers m'attaquent. Charlie Brandick. Est-ce que tu es intéressant à recruter? Alors, tu es un savant. Conçu pour être des ingénieurs, les savants ont des aptitudes naturelles pour les machines et sont potentiellement froids et calmes. Ils sont également fragiles et vulnérables à la douleur. Ça tombe bien, ça fait un super combattant. Ah si, il tire bien. Focalisé sur les machines, ils se révèlent souvent socialement inaptes. Ça, c'est pas très grave. Par contre, ils sont du coup nuls en animal. Il est Mais. bouillant et délicat. Il est incapable d'être diplomate, ça Travailleur tombe bien. transitionnel, tireur prudent, c'est pas mal ça. Travaux artistiques, travaux ménagers, diplomatie, je m'en fous un peu. Bon intello, c'est bien. Non, il est pas mal. On va essayer de le recruter. On va essayer de pas le tuer. Alors, si, je sais pas si vous avez un truc. Être bon, tu te retiens. Je peux le croquer. Hop. Allez. De toute façon, une fois qu'il restera 20 centilitres de sang dans le corps, il acceptera tout ce qu'on lui demandera. Il n'attaque pas tout de suite, et ben on va l'attendre. Donc là, j'ai clairement prévu trop léger sur mon enclos. Hop. Tac. 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 Ah, merde, putain, il est déjà en train de terminer. Là, tu vas m'annuler la clôture, tu vas me mettre une porte à la Il place. construit plus vite que tu fais le tracé. C'est mortel, quoi. Il est excellent, Canton. Allez, qu'ils viennent les gas chokers. Le. Santé, non, il n'a rien. Rien contre lui, c'est très bien. Va se faire buter par la nature avant d'arriver jusqu'à ton camp, quoi. Ça y est, c'est parti. Allez. Hop. Va te planter. Va te planquer. Va pas te faire blesser. Des fois qu'il nettoie son pistolet et que le coup part tout seul. Ouais, du coup il fait le grand tour. Ah oui, comme ça c'est de la flotte. Voilà, c'est bon à savoir ça. Pour mes défenses. Il faudra que je prévoie des défenses plutôt par là. Hop. Oh, c'est un savant, il aime pas se mouiller les pieds. La musique est un poil forte, Damned. Ah. Bah après, je crois que on n'a pas mis de séparation pour Discord et le son du jeu, donc du coup ma voix doit être sur le même canal, donc on est obligé de mettre un peu fort sinon. Bah sinon je diminue tac tac tac. Canto.
Allez, on va aller régler son cas. Je vais utiliser mon longceau. Ou pas. Non, peut-être pas. Alors, tu le charges, t'esquives les balles, tu coupes la tête, on n'en parle plus. Oh la foutre. Ah, raté. Ah, salaud. Ouh, la vache. Esquive. Le fight entre Charlie et Canton. Bim. Et ben voilà. C'est qui le patron? Capture-moi ça. Catox. Va me ramasser ça. Hop, transport urgent. Transport urgent Catox. Hop, voilà. Bon, puis ensuite, tire de soigner. Formidable. Excellente nouvelle. En zonzon, la seringue, voilà. Ça sera aiguille numéro 2. Qu'est-ce qu'il lui fait? Ouais, quel temps, quand même, hein, il a perdu un tiers de vie. Hein. Ouais, mais il s'est pris des belles bastos. Hein. Bah, les pistolets automatiques, ça picote un peu. Hein. Catox va être... Bah non, c'est peut-être Canton qui va le récupérer, du coup. Il s'est fait toucher au rein. Terrible. Alors... En ce temps-là, Catox dort. On a foutu. Il s'est même pas soigné. Commencer son repos mortel. Auto-soin désactivé, c'est une mauvaise idée. Il faut plein de sang dans le lit, Catox, tu devrais râler. C'est dégueulasse. Non, il se lève et il nettoie. Ah oui, c'est vrai que je produis quand même assez peu de bouffe. Il serait peut-être temps que je m'en préoccupe. Parce que mes rations... Il n'y a pas grand monde, mais... Mon riz, il en est où? Oh, il est loin d'être... Oh, ils font des bisous. Et ouais, enfin, en général, ils font plus que des bisous. Qu'il est marqué nulle part que le vampire n'est pas stérile ou pas. Hein. C'est une question que je me suis posée. Homme sauvage erre dans la rue. Ah, je pourrais recruter. Est-ce que tu vaux le coup toi aussi ou pas? Tir mêlé. Ah, capacité crache du feu. Waouh, c'est un diabloïde. Capacité crache du feu. Ouais. Ah, et ça c'est tous les trucs qui sont nouveaux dans Biotech et c'est il y a des super idées. Permet d'avoir des gameplays qui changent beaucoup. Ça, c'est un peu chiant. Moi, ça va, ça l'handicap. Psychopathe pas trop. Avec une bonne mémoire, bien rancunier. Nickel. Précis, en plus, il est archer. Il peut te cracher dessus avec ouais. Précision. Alors, aucun dresseur. Bon, bah voilà. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je vais peut-être essayer de le capturer et de m'en faire justement une source de bouffe. Est-ce que ça peut peut-être fonctionner ça? Ah oui, il a déjà tout récupéré. Oh, il a récupéré toute sa santé. C'est archi violent. Ouais, mais l'hémogène commence à être tendu. Il va falloir boire un moment. Il va falloir qu'il boive. Ouais. Tac. Bon, est-ce que là, vous avez un tout petit peu plus de bouffe? Ah ouais, c'est tout juste. Croissance de la nature 1,73, consommation 1,6. Bon, l'acier, on va peut-être arrêter après celui-là. Par contre, il faut quand même définitivement que tu ailles chasser. Alors oui, est-ce que je peux l'arrêter? Oui, je peux l'arrêter. 33% de chance. Et Catox... Ça peut bientôt l'heure d'arrêter la VOD, d'ailleurs. Ouais, j'ai vu. Je suis à 50 minutes. Je vais faire 10 minutes de plus, et puis... Parfait. Oui, chef. J'ai vu, chef. Bon, je vais essayer de l'arrêter. Allons voir ce que ça va donner. Pour en faire une petite source de d'hémogène. Hop, voilà. Ça, c'est pas mal. Tac. Et donc, lui, je peux en faire. Donc, ça, c'est exploitation d'hémogène. J'adore. Les gardiens, lorsque le niveau d'hémogène d'un suceur de sang sont bas, il peut se nourrir de ce prisonnier.
D'autres détenus qui se nourrissent de sang peuvent également se nourrir de ce détenu s'ils sont dans la même cellule. Et ça, une opération d'extraction de plaques d'hémogène sera automatiquement programmée pour ce prisonnier chaque fois que celle-ci pourra être effectuée sans le tuer. L'opération sera effectuée par médecin. Eh ben, on va plutôt faire ça. Ça, j'adore. Comme principe, tu gardes des prisonniers, et les prisonniers... des croquettes pour les cochons. Alors, c'est marrant, ça fait partie des trucs que j'ai jamais utilisé, le système de croquettes. Il paraît que c'est efficace, mais c'est vrai que j'ai... C'est... Vraiment, je... J'ai jamais utilisé. Ouais, donc, on peut se servir de prisonniers comme de stock de sang, en fait. Bien sûr, à quoi d'autre peut servir un prisonnier? C'est magique. Et l'alimentation sanguine, c'est pour le filer du sang et le transformer en vampire? Non, c'est pour se nourrir directement. C'est-à-dire, soit tu fais les packs d'hémogène là, donc ça te fera des réserves, soit tu te sers directement. Je sais pas lequel des deux est le plus intéressant. La peau subtile. Ketox peut se sentir rassuré. Mais il restera la seringue préférée de Canton. Ketox, c'est son amoureuse maintenant. Hop. Va me récolter. Ah oui, si, j'avais dit que j'irais chasser le. Ouf. Je sais pas si ça se fait trop de chasser à coup de. À coup d'épée. À coup d'épée, c'est pas sûr quand même. Mais il va quand même falloir que je le fasse parce que. Alors, le truc, c'est qu'il faut quand même les garder un peu contents. Parce que s'ils sont pas jouasses, pourquoi je m'emmerde à faire des torches alors que j'ai de la lumière? Mobilier. Coûte de l'acier au lieu de me coûter du. Mais. Tac. 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 Et. Bon, pour l'instant, c'est vraiment super moche comme base. Mais c'est pas bien grave. Hop. Un jour, je ferai quelque chose de plus joli. Donc, Canton, tu vas t'équiper d'un superbe arc et tu vas aller à la chasse au Buffalo. Peut-être une connerie, mais... Ouais. Mon avis. Non, peut-être pas aller à la chasse au Buffalo. Encore, t'envoies Katox avec son... T'envoies Canton avec son épée, bon. Mais Katox toute seule avec un arc contre un 5 Buffalo. Ah, c'est bien les yaks aussi, sans doute. Je sais pas trop. Un warg, bah voilà, parfait. Oui, mais... Une dinde, ça je pense que c'est de son niveau. Un écureuil. Ah mais non, je peux faire ça. Je suis con, j'ai un pistolet automatique. Et fini. Hop, je vais t'équiper de ça. Et va chasser. Hop, allez. Joue à la chasse. Non, pas attaquer au corps à corps. Mais pourquoi il a... Une munition. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas équipé matériel? Ah non, d'accord. Attends. Ah merde, je peux pas le... Pourquoi est-ce que il veut pas? Attends. Lâche le pistolet. Ah, il est biocodé le pistolet, il y a que Charlie qui peut l'utiliser. Bon. Ah ça pique ça. Eh ben. Parce qu'il faut que tu convertisses Charlie. Et... C'est ça. De toute façon, c'est prévu. Donc, on a dit d'aller chasser du yak. Le yak, c'est moins brutal que le buffalo. Ouais. Bah, ça risque pas... Qu'est-ce que tu... Mais non. Attends, je t'ai mis quoi comme priorité? Chasseur, je vais te mettre deux. Un yak, c'est un driss. Hein.
Bah écoute, ça a l'air d'être le nom de la femelle du hack. Putain, c'est vraiment une tiche entière par contre. Watcha. Cougar. Heureusement qu'il n'y a pas de munitions, quoi. Ah, la cougar. Fais gaffe, Katox. La concurrence, il y a une cougar qui saute sur ton caneton. Bon, cette fois, tu la tues pas à l'arc, hein, parce que t'as le temps de te faire bouffer la tronche. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est assez sévère. Oh, jump! Allez, un petit jump là. Hop. Ça va vite, cette saloperie. La vache. J'arrive à la distancer ou pas? Non. Bon, bah, jump. Hop. Youhou! Wouhou! La nourriture se fera. Oui, je suis au courant. Merci. Va équiper ta magnifique épée. Cougar, prêt en chasse. Oui, bah c'est bon, je le sais. C'est une autre. Non, c'est la même. Putain, la vache. Elle trace la cougar. Ah bah elle est Comme elle affamée. arrive à rentrer. Ouf, tout juste. Caneton, il est beau, hein. Donc Hop, allez. Bim. Allez. Bim. C'est qui le patron? Sérieux, c'est qui le patron, quoi? elle avait été chasser un petit Voilà. écureuil en attendant. Et il a été distrait par l'écureuil. Et ça a été son. Ça a été sa fin. Bien, bien, bien. Ouais, parce que maintenant, en plus, je dois nourrir 4. Ah oui, j'ai tout simplement plus de bouffe, en fait. Oui, ils font des bébés. Est-ce que Katox peut tomber enceinte? Ça, c'est une vraie bonne question. Ah, il y a du riz qui commence à... Pas ouf quand même. Katox, il est peut-être temps d'aller faire de la bouffe. D'aller faire du... Voilà. Tac. Mais non, mais non, mais non. Mais arrêtez de... Voilà. La vitesse 3, elle est vraiment fast. Vache. Hop, voilà. Maintenant, tu vas le nourrir. Bon, ceci dit, c'est pas avec juste ça que je vais nourrir tout mon peuple. Hein. La nourriture se fera. Ouais, je suis au courant. Hop, dès que t'as fini, hop, va t'équiper d'un arc court et retourne chasser. Chasse le dri. Ou chasse, tiens, ça là. Putain, mais ça suffit, oui. Allez, bah, c'est reparti. Et en mode béni, là. Hop là, yep. Je suis à la maison. Allez, va récupérer ton MP et va l'attaquer cash au corps à corps. Voilà, hop, est-ce qu'elle se fera avoir? Pim, pim. Toc, toc, toc. Non, j'en ai la couleur. Hop. Ah, Caton est blessé, mais c'est pas grave. Il a quand même réussi à lui défoncer la chevron. Hop, allez, on retourne chasser ça. Bien. Et un autre visiteur de la tribu du arbre. La fameuse tribu du arbre. Voilà, je suis dans le monde. Je vais pas chercher tout de suite. Allez, les recruter.
fallait recruter ou les arrêter. Bon, bah écoutez, je pense que on est sur une. Après nos deux cougars battus, je pense que on va arrêter la première VV ici. Et puis, si vous êtes d'accord, on continue l'histoire. À bientôt. Oh, la VOD! Bisous, bisous. Est-ce que j'appuie sur le bon? Non, j'ai pas appuyé sur le bon. J'ai fait une bêtise. J'ai fait contrôle 2. Est-ce que vous voyez plus rien? Oui. Je pense que vous voyez plus rien. C'est quoi contrôle 2? Ah. Black screen. Ouais. Là, c'est mieux. Qu'est-ce que je fais? Hop. Pour arrêter la VOD, c'est Alt 4.